l'occasion d'achever la première partie du 14e séminaire média de l'IDEC. C'est l'occasion pour l'IDEC de présenter à la fois les réalisations passées ces dernières années, ces 20 dernières années, et en même temps de se projeter sur l'avenir et d'examiner avec nos amis journalistes l'ensemble des besoins de la collectivité et de se projeter en fonction de l'évolution et de l'augmentation du nombre d'habitants et des implantations industrielles à venir. Sur les 20 dernières années, l'IDEC a ainsi investi plus de 20 milliards de dirhams sur l'ensemble de ses métiers, à savoir l'assainissement, l'eau potable, l'électricité et l'éclairage public pour assurer le développement harmonieux de la ville. Nous allons continuer sur ce rythme puisque sur les années prochaines, nous allons à peu près investir entre 1 milliard et 1 milliard et demi, toujours sur ces mêmes métiers, et nous devons pour cela être à même de répondre aux besoins extrêmement importants d'évolution des grands Casablanca. Nous sommes aujourd'hui sur un rythme de croissance d'à peu près 5% par an. Il faut donc que les tuyaux d'eau, les tuyaux d'assainissement, les câbles électriques suivent ou précèdent ces actions pour que le rythme d'urbanisation de la ville continue d'être le plus fluide possible.